Cette vidéo est sponsorisée par Incogni. Salut les terriens! Comme chaque vendredi, c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour faire le tour de l'actualité spatiale ensemble, et vous allez voir qu'encore une fois, cette semaine était particulièrement chargée en infos. On répondra entre autres à quelques-unes de vos questions de la semaine dernière sur les potentielles civilisations extraterrestres, je vous emmènerai aussi sur Titan, on parlera de Rocket Lab, d'astéroïdes, de l'arrivée des astronautes d'Axiom Space sur l'ISS, du coup d'arrêt pour Starlink en France, et d'encore plein d'autres choses, l'équipe du Journal de l'Espace n'a pas chômé cette semaine. Mais avant que nous commencions notre voyage ensemble, j'aimerais vous présenter le sponsor de cette vidéo, Incogni. Incogni, c'est un outil créé par Surfshark que vous devez connaître si vous êtes fidèle à la chaîne, qui aide les utilisateurs à supprimer leurs données auprès des courtiers en information. Chaque jour qui passe, vos informations personnelles sont vendues en ligne sans même que vous ne le sachiez. Avez-vous par exemple déjà donné vos coordonnées pour vous inscrire à une newsletter ou sur un site internet quelconque et avez commencé juste après à recevoir des dizaines de spams de publicité en lien avec ce que vous recherchiez ou reçu de nombreux appels indésirables pour vous proposer des services dont vous n'avez absolument pas besoin ? Il existe plusieurs centaines de courtiers en données qui accumulent en continu vos informations personnelles pour les revendre à des entreprises inconnues. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez tout à fait demander à ces courtiers de supprimer toutes les données qu'ils ont à propos de vous afin de protéger votre vie privée. Mais la mauvaise, c'est que si vous souhaitiez le faire vous-même une entreprise à la fois, eh bien cela vous prendrait des années. Incogni, c'est un service qui se charge à votre place de demander aux sociétés de courtage de données de supprimer vos informations personnelles, et tout ça de manière complètement automatisée. Tout ce que vous avez à faire, c'est créer un compte sur Incogni, leur préciser quelles informations vous voulez voir supprimées, et vous pourrez ensuite retourner tranquillement à vos activités pendant qu'Incogni se charge du reste. Ils répondront à votre place à toutes les objections, et vous verrez les progrès accomplis en temps réel. Pour profiter de ce service, le lien est dans la description, et les 100 premières personnes qui utiliseront le code ESPACE bénéficieront d'une remise de 20% lors de leur inscription. A vous de jouer, maintenant place à l'actu, je vous souhaite un très bon journal de l'espace. L'État français met un coup d'arrêt au projet Starlink d'Elon Musk en France. Le projet Starlink, censé proposer Internet à haut débit par satellite dans les communes rurales, isolées ou manquant d'infrastructures, vient de recevoir un véritable coup de frein qui pourrait stopper son expansion en France. En effet, la filiale de SpaceX s'est vue refuser les deux fréquences hertziennes qu'elle envisageait d'acquérir dans l'Hexagone suite à un recours gagnant d'associations environnementales devant le Conseil d'État. Dans le détail, la juridiction administrative a annulé la décision de l'ARCEP, l'autorité de régulation de télécommunications française, en lui reprochant de ne pas avoir procédé préalablement à une consultation du public avant d'accorder ce feu vert. Cette décision s'ajoute à l'arrêt de la construction de deux stations terrestres supplémentaires suite à la fronde organisée par deux communes, dont les habitants, soutenus par leur maire, s'inquiètent des éventuels impacts des rayonnements électromagnétiques sur l'environnement et la santé. Cette situation peut sembler paradoxale car le réseau Starlink permettrait aux habitants des zones mal desservies par les réseaux fixes et mobiles des opérateurs télécoms d'avoir accès à Internet très haut débit via les milliers de mini-satellites circulant en orbite basse, mais également les stations terrestres nécessaires pour communiquer avec la constellation. De son côté, l'ARCEP a pris acte de l'analyse du Conseil d'État et s'est engagé à lancer la consultation publique demandée dans les plus brefs délais. Quoi qu'il en soit, selon l'avocat des associations, la décision judiciaire interdit désormais à Starlink d'utiliser ses fréquences et donc de proposer son service en France, mais ce n'est pas tout car d'autres blocages, politiques cette fois, pourraient venir s'ajouter, sachant que mi-février, les 27 pays de l'Union Européenne se sont mis d'accord pour officiellement renforcer la souveraineté spatiale et par la même occasion s'affranchir de toute concurrence américaine. On peut tout de même s'interroger de la pertinence de cette décision, sachant qu'Arianespace vient de signer un énorme contrat de lancement avec le géant américain Amazon pour lancer une partie de sa constellation Kuiper, mais ça, c'est une autre histoire. Rocket Lab souhaite récupérer un étage de fusée en plein vol, est-ce une bonne stratégie ? Depuis quelques années, Elon Musk réussit l'impensable en faisant revenir les premiers étages de ses lanceurs Falcon 9 avec le succès que l'on connaît, et bon nombre de ses concurrents essaient tant bien que mal de suivre cette voie à l'identique, alors que d'autres comme Rocket Lab ont choisi d'explorer une méthode différente en tentant de récupérer une partie de leurs lanceurs avant qu'ils ne touchent le sol. En effet, l'entreprise de Peter Beck a opté pour une méthode pour le moins atypique puisqu'elle a choisi de récupérer l'étage principal de son mini-lanceur Electron à l'aide d'un hélicoptère. Une tentative est d'ailleurs prévue le 19 avril 2022 lors du tir qui emmènera par la même occasion le petit satellite Bro 6 de la société Renaissance Labs dont nous avons parlé la semaine dernière.
L'hélicoptère qui sera utilisé pour cette mission est un Sikorsky S-92, un modèle mis en service à partir du milieu des années 2000 et construit par la société américaine Sikorsky Aircraft Corporation, qui est une filiale de Lockheed Martin et dont l'un des exemplaires est employé par la Maison Blanche en tant que Marine One, c'est-à-dire l'appareil du président américain. Rocket Lab n'est aujourd'hui plus une start-up débutante puisque 25 tirs du lanceur Electron ont été effectués depuis 2017, dont 22 avec succès, et jusqu'à présent les 3 dernières tentatives de récupération se sont faites par repêchage du premier étage dans l'eau. Il était donc temps de prouver que ce petit lanceur pouvait accéder au statut de réutilisable avec une méthode singulière dont voici le détail. Environ une heure avant le décollage, l'hélicoptère Sikorsky S-92 de Rocket Lab se met en position dans la zone de capture, à environ 270 km de la côte néo-zélandaise pour attendre le lancement. À T+2 minutes et 30 secondes après le décollage, les premier et deuxième étages d'Electron se séparent, comme dans n'importe quelle mission. Le deuxième étage continue vers l'orbite pour le déploiement de la charge utile, tandis que le premier étage d'Electron commence sa descente vers la Terre à une vitesse de près de 8300 km/h, où des températures pouvant grimper jusqu'à 2400 degrés Celsius sont atteintes. Après le déploiement d'un parachute stabilisateur à 13 km d'altitude, le parachute principal se déploie à environ 6 km pour ralentir la chute de l'étage à environ 35 km/h. Ensuite, c'est là que l'opération la plus périlleuse commence, car dès que l'étage entre dans la zone de récupération, l'hélicoptère de Rocket Lab part rapidement à sa rencontre afin de capturer la ligne du parachute à l'aide d'un crochet. Une fois l'étage capturé et sécurisé, l'hélicoptère le ramène sur la terre ferme où Rocket Lab procédera à son analyse approfondie et évaluera son aptitude à être remis en vol. La difficulté pour l'hélicoptère sera de manœuvrer pour éviter que ses pales ne croisent ni la voile, ni les suspentes, ni aucune autre partie du parachute, ce qui provoquerait irrémédiablement une catastrophe aérienne. Si jamais l'opération échoue, l'étage ne sera pas perdu pour autant, puisqu'il terminera sa course dans l'océan, où un navire se chargera de le récupérer. Mais alors, pourquoi prendre de tels risques si on peut le récupérer dans l'eau? Il y a deux raisons à cela. D'une part, c'est un énorme avantage pour Rocket Lab de récupérer une partie de sa fusée dans les airs, ce qui évite qu'elle n'entre en contact avec l'eau de mer, et par conséquent que le sel corrosif ne l'endommage, et d'autre part, il faut savoir qu'il est extrêmement complexe de concevoir un lanceur capable de rentrer sur la terre ferme en totale autonomie. SpaceX a mis de nombreuses années à maîtriser sa technologie, un peu plus de 5 ans pour être exact, ce qui fait que la firme d'Elon Musk a aujourd'hui quasiment une décennie d'avance sur ses concurrents. Il ne faut pas se mentir, le choix d'une récupération par hélicoptère pour Rocket Lab apparaît donc avant tout dicté par la réalité budgétaire et la difficulté à concevoir dans un temps réduit une technologie de récupération autonome aboutie. Certes, bien que mobiliser un hélicoptère pour un tel vol coûte aussi de l'argent, c'est une solution qui reste économique, sachant qu'à plus long terme, Rocket Lab prévoit également de mettre au point la récupération automatique avec son lanceur de nouvelle génération Neutron. Les scientifiques ont un message pour les extraterrestres. Petit retour en arrière, en 1974, l'humanité tentait pour la toute première fois de prendre contact avec une hypothétique civilisation extraterrestre avancée du côté de l'amas d'étoiles M13 par l'intermédiaire d'un message radio envoyé depuis le télescope d'Arecibo à Porto Rico. Ce message contenait des informations comme le numéro atomique de l'hydrogène, du carbone, de l'azote, de l'oxygène et du phosphore, des données sur l'ADN, la forme et la taille d'un humain, la population terrestre et la position de la Terre dans le système solaire. Le message va mettre 22 000 ans pour atteindre sa destination à travers l'espace, et il faudra encore autant de temps pour recevoir son hypothétique réponse, ce qui donne pas mal de temps aux astronomes pour continuer à rechercher de nouvelles exoplanètes, dont le nombre a récemment été confirmé à plus de 5 000, bouleversant par la même occasion notre vision de l'univers en rendant possible l'existence d'une autre forme de vie biologique que la nôtre. Jamais à court d'idées, une équipe internationale de chercheurs propose aujourd'hui de retenter notre chance et d'envoyer un nouveau message vers des étoiles baptisées Beacon in the Galaxy, en français un phare dans la galaxie. Il s'agit cette fois d'un message bien plus élaboré que celui d'Arecibo, qui a pour objectif de fournir un maximum d'informations sur notre société et sur l'espèce humaine. Pour l'anecdote, lorsque Frank Drake, un astronome américain pionnier de la recherche de civilisations extraterrestres intelligentes, a conçu un des premiers prototypes du message d'Arecibo, même ses collègues, pourtant tous prix Nobel, n'ont pas réussi à le déchiffrer. Finalement, la vraie question à se poser est de savoir si les êtres biologiques visés seront tout simplement capables de voir physiquement les images codées que nous leur envoyons et de comprendre un message forcément élaboré avec notre culture humaine. C'est la raison pour laquelle la première partie du message s'efforce d'utiliser des notions jugées comme universelles, comme les mathématiques et certaines caractéristiques connues de l'atome d'hydrogène. La fin du message est en revanche un coup de poker puisque, comme nous l'évoquions juste avant, il est basé sur la certitude que les extraterrestres seront à même de comprendre et visualiser nos dessins.
On y trouve le croquis d'un homme et d'une femme, tous les deux levant la main en signe de salut, une carte de la surface de la Terre et de son atmosphère, ainsi qu'un diagramme de notre système solaire. Il y a aussi la fréquence radio que les aliens doivent utiliser pour répondre aux messages et les coordonnées de notre système solaire dans la Voie lactée par rapport à l'emplacement d'amas globulaires supposé familier à un extraterrestre, quelle que soit sa position dans notre galaxie. Techniquement, pour envoyer ce message, il faudra attendre le moment propice pour réduire le risque que les ondes radio ne se perdent dans le bruit de fond de notre Soleil, c'est-à-dire une période entre mars et octobre, selon les chercheurs, lorsque notre planète se trouve à un angle de 90 degrés entre notre étoile et sa cible, qui est un anneau dense d'étoiles situé près du centre de la Voie lactée, à quelques 13 000 années-lumière de nous. Vous l'aurez vite compris les terriens, vu que cette cible se situe à plus de 13 000 années-lumière de notre planète, il faudra alors patienter 26 000 ans avant de seulement pouvoir espérer recevoir une hypothétique réponse. Soyons honnêtes, la probabilité que ce message soit reçu, lu et compris est extrêmement faible, mais le simple fait de concevoir un tel message a au moins l'avantage d'élargir nos façons de penser et de réfléchir collectivement à notre place dans l'univers, mais également de rassurer les plus alarmistes qui pensent que le message pourrait être capté par une civilisation conquérante et hostile. Bref, l'invasion n'est pas pour demain. En attendant, l'occasion est trop belle de vous donner quelques nouvelles de la sonde Pioneer 10, lancée par la NASA en 1972, qui a désormais parcouru plus de 18 milliards de kilomètres. Dans environ 2 millions d'années, elle devrait atteindre le voisinage de l'étoile Aldébaran à 65 années-lumière, et je vous pose alors la question, selon vous, si des extraterrestres trouvent la plaque placée sur la sonde, sauront-ils la lire et la comprendre ? Revenons un peu sur le sujet de la semaine dernière à propos des potentielles civilisations extraterrestres. Vous êtes nombreux à m'avoir posé la question suivante, pourquoi les extraterrestres ne nous répondent-ils pas et où sont-ils ? Nous vivons en effet dans une galaxie composée de centaines de milliards d'étoiles et où les planètes potentiellement habitables y seraient des milliards. Alors pourquoi dans cet espace si vaste n'avons-nous pas encore eu de contact avéré avec des civilisations extraterrestres ? Pour répondre à cette question, il existe de nombreuses hypothèses que nous allons parcourir ensemble. Numéro 1, les extraterrestres n'existent pas. Cette possibilité, bien que plausible, reste difficile à croire quand on sait, selon les statistiques actuelles, qu'il y aurait au moins 40 milliards d'exoplanètes habitables rien que dans notre galaxie. Numéro 2, il n'y a pas de vie extraterrestre intelligente. Il y a peut-être bien de la vie ailleurs, mais de nature primitive comme des microbes, à l'image de celle qui s'est développée sur Terre pendant plusieurs milliards d'années, ou encore des plantes et des animaux qui n'auraient pas encore les facultés de communiquer au-delà de leur planète. En clair, selon cette hypothèse, nous serions actuellement l'espèce la plus avancée dans l'univers. Numéro 3, les extraterrestres n'utilisent pas de technologie avancée. Les extraterrestres pourraient très bien ne pas avoir de technologie leur permettant de communiquer avec d'autres mondes, et leur développement a pu être très différent du nôtre. Ainsi, ils pourraient très bien ne pas s'y intéresser, ou encore ne pas avoir envie de l'utiliser. Par exemple, bien que technologiquement très avancée, une intelligence artificielle pourrait très bien se contenter de vivre dans un monde virtuel coupé de l'extérieur. Numéro 4, les extraterrestres ont une technologie beaucoup plus avancée que la nôtre. Il est possible qu'ils utilisent des modes de communication que nous ne connaissons pas encore et qui sont impossibles à déchiffrer par notre esprit encore trop primitif. Numéro 5, les extraterrestres sont tous déjà morts. Quand on voit les défis auxquels notre monde est confronté, particulièrement depuis le milieu du XXe siècle, on peut facilement envisager que des civilisations dites intelligentes aient pu causer leur propre disparition. Numéro 6, l'univers est un environnement très dangereux. Les extinctions de masse connues ont toutes une origine naturelle, notre planète a connu des changements climatiques très forts, des astéroïdes et d'autres cataclysmes comme ce fut le cas pour la précédente crise biologique il y a 65 millions d'années. Mais d'autres événements cosmiques pourraient aussi anéantir d'éventuelles civilisations telles que des supernovas, des quasars, mais aussi de violentes éruptions solaires. Numéro 7, les distances sont tout simplement trop grandes. Notre propre galaxie a un diamètre de 100 000 années-lumière, on peut donc imaginer que des signaux émis à l'autre bout de la Voie lactée mettent donc plusieurs millénaires pour arriver. Tout dépend donc de la distance, mais également de la date à laquelle a été envoyé le signal. Et n'oublions pas qu'il y a des centaines de milliards d'étoiles que nous n'avons tout simplement pas encore repérées. Numéro 8, il faut plus de temps pour les trouver. Cela fait à peine un siècle que l'humanité est en mesure de capter des signaux d'une civilisation extraterrestre via des radiotélescopes, et plus précisément, cela fait 60 ans que la recherche active de signaux a réellement débuté. Comparé à l'âge très avancé de la Voie lactée, ce temps est bien évidemment minuscule. Numéro 9, les extraterrestres nous évitent. Comme nous l'évoquions dans le précédent journal de l'espace, on peut imaginer que nous soyons dans une sorte de zoo intergalactique. Peut-être que nous sommes tout simplement trop dangereux et infréquentables, et peut-être même que nous leur faisons peur.
Numéro 10, ils sont déjà parmi nous. Salut les terriens. Après tout, peut-être que les visiteurs sont déjà là et que nous ne les avons même pas remarqués. Il est en tout cas à noter que de récentes vidéos, officiellement déclassifiées par l'armée américaine et visibles dans notre dernier Le Saviez-Vous, peuvent amener à s'interroger. Certaines théories extrêmes avancent même, bien évidemment sans aucune preuve tangible, que les extraterrestres ont passé des accords avec les gouvernements de plusieurs pays et préparent l'invasion de la Terre de l'intérieur. Bon, pour ma part, ça n'est pas vraiment cette hypothèse que je privilégierai en premier, et parmi ces 10 exemples, j'aimerais bien avoir votre avis sur lequel serait le plus plausible. Et maintenant, place au zapping du Journal de l'Espace. Après 20 ans d'exploration robotisée de Mars, la NASA voit désormais plus loin en reprenant la direction de Titan, la plus grosse lune de Saturne, et comme nous vous en avions parlé dans un précédent Le Saviez-Vous, ce sera une sonde volante américaine dénommée Dragonfly qui sera chargée de cette lourde tâche. Dotée d'un instrument appelé DRAMS comme Dragonfly Mass Spectrometer, Dragonfly va permettre d'explorer la chimie des molécules organiques présentes dans l'atmosphère du satellite afin d'y déceler d'éventuelles traces d'une ancienne forme de vie. Et grâce à un accord signé par la NASA et l'ESA, DRAMS sera conçu conjointement par des laboratoires français et américains. Dans le détail, Dragonfly est un drone similaire à Ingenuity, mais bodybuildé de 450 kg et doté de 8 petites hélices qui doit être lancé en 2027 pour une arrivée prévue fin 2034. D'un coût évalué à plus d'$1 milliard, il devrait atterrir sur le site de Shangri-La où s'était déjà posée en 2005 la sonde Huygens, et comme environ 29 ans sépareront ces deux atterrissages, soit presque la durée d'une année locale, Dragonfly verra Titan à la même saison et à la même latitude que Huygens. Gabriel Pont, responsable au CNES de la contribution française à Dragonfly, ne cache pas sa fierté et déclare « Ce sont les Américains qui sont venus chercher des laboratoires français pour réaliser l'un des instruments clés de la mission. Ce n'est pas nous qui avons frappé à leur porte pour pouvoir participer. » Les phénomènes cosmologiques ne cessent de nous impressionner, et c'est sur notre propre étoile que les scientifiques ont repéré, le 2 avril, la formation d'un gigantesque canyon de feu associé à l'émission récente de filaments de plasma et à l'éjection d'un puissant vent solaire à l'origine de magnifiques aurores boréales. Les dimensions qui ont été mesurées sont carrément stupéfiantes, 20 000 km de profondeur et 10 fois plus en longueur. Je suis conscient qu'il peut être difficile de se représenter une profondeur de 20 000 km, mais à titre de comparaison, celle du Grand Canyon aux USA atteint en moyenne seulement 1,3 km. En fait, la taille de cette déchirure à la surface solaire est si grande qu'elle équivaut à la moitié de la circonférence de la Terre. Pour info, les éjections de masse solaire dont nous reparlerons mardi dans le prochain Le Saviez-Vous, qui accompagnent ces éruptions, sont des sortes de nuages magnétisés qui se propagent dans le milieu interplanétaire à des vitesses allant jusqu'à 2000 km par seconde, et lorsqu'une éjection de matière atteint la Terre, elle peut provoquer une tempête géomagnétique comme celle ayant récemment détruit plusieurs satellites Starlink en orbite basse. Tout se passe bien pour le James Webb Space Telescope, dont le refroidissement est toujours en cours avant de lancer cet été ses premières mesures scientifiques. Cette étape, comme vous pouvez le voir, prend du temps, mais elle est essentielle pour observer l'univers lointain dans les longueurs d'onde infrarouge, ce qui fait que toute source de chaleur doit absolument être supprimée pour maintenir ces instruments à une température extrêmement basse. Comme nous vous l'avions expliqué en détail dans les dernières émissions, les scientifiques ont équipé James Webb d'un énorme pare-soleil multicouche dont le rôle est de maintenir la plupart des instruments à bonne température pour leur fonctionnement, c'est-à-dire de l'ordre de moins 223 degrés Celsius. Cependant, l'un des équipements de l'observatoire, nommé MIRI, utilise un détecteur nécessitant une température encore plus basse, moins 266 degrés, c'est-à-dire proche du zéro absolu qui est à moins 273 degrés Celsius. Cette valeur extrême est impossible à atteindre sans l'aide d'un dispositif spécialisé appelé refroidisseur cryogénique et fonctionnant à l'hélium gazeux sur un principe similaire à votre réfrigérateur. Une fois opérationnel, MIRI pourra détecter la lumière des étoiles les plus éloignées de l'univers, mais aussi observer la formation des toutes premières étoiles après le Big Bang. L'instrument doit aussi permettre de réaliser les très attendues photos de jeunes exoplanètes et de leurs atmosphères. En attendant, les équipes mission ne chôment pas puisqu'il y a quelques jours, un second allumage de propulseur a été effectué afin de maintenir l'orbite autour du point de Lagrange L2. Et c'est déjà la fin de ce Journal de l'Espace, merci d'avoir suivi et n'oubliez pas le pouce bleu. Je remercie également le sponsor de la vidéo, Incogni, dont vous retrouverez le lien en description pour bénéficier de l'offre promo. Et quant à nous, on se retrouve cette fois lundi, et oui lundi, surprise, avec une nouvelle émission. N'oubliez donc pas la cloche de notification pour ne pas la rater. Salut les terriens !